Bonjour papa. Bonjour. Papa, mon fils, il est venu. Est-ce que ça pour nos amis? Bon, recensement pour l'Angaï. Les alliés opération moko statistique, ils ont consisté à dénombrer population moko quelconque. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport au recensement. Est-ce que tu commences à faire ton recensement pour l'élection? Bon, au Lazo Loba, ils ont engagé Ngaï. Je me dis, on ne peut pas vivre dans une nation sans connaître exactement nous sommes au nombre de combien. On ne peut pas continuer à vivre dans une nation sans savoir qui est qui et avec qui nous vivons. Moi je me dis, c'est le moment. C'est le moment. Nous avons un digne fils du pays à la tête de cette nation. Sur ces, c'est le moment à ce que nous puissions mettre tout ce qu'il faut. Otoye pas exactement, toza combien, toza na banani. Jusqu'où to commis déjà. Moi je me dis, je suis pour. Je suis pour et j'acclame le fait que to passer par ça. Le premier citoyen de la République est en train de poser des bonnes bases. Il est en train de remettre les pays sur le rail. Aujourd'hui, Sokyoza Nambeba, tu seras interpellé et arrêté si possible. Mais papa, le moins de d'où ça va encore prendre du temps pour l'élection 2023. À l'allure où, au niveau où notre pays est arrivé, nous avons besoin du temps. Il ne faut pas parler de la question du temps. Il nous faut payer le temps, afin que nous puissions remettre ça sur le rail et avancer. On ne peut pas continuer, il y a continué à boué. Jusqu'où? Merci pour l'immédiat, c'est que vous avez fait un dialogue. Bon, dialogue, nous sommes d'abord africains. Dans notre culture, les palabres sont obligatoires. Kosolo là, l'isolo, ils sont obligatoires. Ce qui lui solo est en sens que Mboko est élément et tambola et là ta robe n'ango vraiment est singeli. On sera partant, pourquoi pas. Merci beaucoup. Ok. Bonjour papa. Bonjour. Comment est papa? Comment est papa Baudouin? Papa Baudouin, papa Baudouin, vous avez le recensement, il est pour avoir un nombre de Congolais, mais tu vas en Akati Mboko. Parce que nous sommes mélangés, il y a des Angolais, il y a des Rwandais, mais tout est. Et puis depuis l'époque, nous avons une carte électorale jusqu'à maintenant, nous avons une carte pour citoyenneté. C'est un peu ça. Alors, le recensement est nécessaire, même s'ils vont pousser les élections. L'essentiel est que les Congolais sont recensés. Nous avons autant de Congolais. Merci beaucoup, papa Baudouin. Bonjour papa. Bonjour. Papa Congo Live TV. Oui. Papa, recensement pour Nangaï. Bon, recensement pour Nangaï. Et Ningi Kolobani, naissance, ni faut tout na. Signification à recensement. Oui. Signification et recensement, c'est-à-dire. Koyeba bato nyonso bazali na kati ya mboka oya RDC oyo babengi Congo démocratique nde bato bazo sala eloko bazali ko benga recensement, c'est-à-dire ko tuna bato pona koyeba effectif na bango nde eloko bazali ko benga. Est-ce que peut-être comment ça prête donc na recensement avant de l'élection de 2023? Bon, na yebite soki bato bazana posa 2023 wana pona kolobela 2023 2000, c'est une chanson, mais to moni déjà que non musale zana ko betam. Alors, par élection, on a besoin de son importance dans notre tout ça n'a pas été comme on a nous musala ou ya président ya République ya Sika ou ya Zali ko Kambana nous poto comme on a ba 2023. Maintenant, on kende na ba élection na 2023, ça n'a nous tout moins n'attend musala salité. Le boulot est là qui a monné. Bah, où tu vois ça la Makambo et c'est là qui que non beau qu'est soit président président originaire. Oui, à quoi que ça la musala pour n'amboka naie. Azali ko planifier. Alors, ce qui a planifié. Babongisi makambo ezali kokoka ba peuple ba sepela ndeto koya kokende na ba election. Siko ba election kaka bongo na Britande le sala makate. Donc c'est donc on a bien 54 choses dans le planifié akamapa en 2019 c'est ba election. Oui, pona nga na zo moneke soki to leki déjà ba 2023
de tokoki ko ya ko organiser nanu ba makambo na me pona minute oyo peuple congolais azana souci nanu ayeba nanu azalaka combien na kati ya mboko peuple congolais azana posa ayeba nanu tozaka combien na kati ya mboko na mboko tozali toza combien Congo eza munene bato bazali banda mboko omoni ke tokendaki na ba election président Eli Abimi jusqu'à aujourd'hui ya toujours ba contestation ezali kaka komonana na kati ya bato poke Bato bazana kondimate pona nini po bakendaki na makambu ya koyeba teke ba pire congolais baza combien ba oyo ba étranger baza combien basangisi bato lelo eluki trouble jusqu'à aujourd'hui c'est ce que moi je trouve bon makambu ya dialogue tozo mon importance na ngote po déjà président zali tozo ke na dialogue pona kosali sumu tosenga ki ba dialogue wana kala banda pape chen kisekedi tosenga ki ango basala kaka ba complication na bango alors pona tan oyo makambu ba trouble ya ba dialogue makambu ya baboy non recensement c'est normal tozali ko accepter pona ba recenser ba peuple congolais oyo bazali banda mboka oyo bazana kati ya mboka ba recenser bango tomona nanu ke no ba pire congolais baza combien na kati ya mboka wana to ko accepter mais makambu ba dialogue et ça n'importance mon côté oui merci papa Merci papa. Bonjour. Papa, c'est comme la télévision. Papa, tu veux pas. Recensement. Les animes. L'obini, la kizani. Quel numéro il y avait? Bon, le mot recensement, na lingala, les aliko signifiait que il faut koyeba. Hein, koyeba. Moutunyonso. So nationalité naïe. Est-ce que Azali congolais ou bien Azali étranger hein? C'est ça ce qu'on appelle le recensement. Il faut que Moutunyonso aille ba identité naïe. Est-ce que na identité ou na nationalité naïe. Est-ce que je suis un Congolais ou je ne suis pas un Congolais? Papa, est-ce que tout le monde a pris le recensement avant les 2020? Le peuple congolais, tous allez prêts à aucun des recensements. On a une peau. Toyeba banani ba congolais na banani ba congolais te parce que tomoni banda mubutu ti na régime passé to dale ko kende na ba pona mibongo na ba étranger to zo ko kende dengo ana maintenant to zali prêt ya que toyeba que nani azali congolais nani azali congolais te mon frère Ça peut prendre le temps. Quand tu as un problème, tu as un problème, il y a temps. Notre problème, c'est de découvrir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel est que tu es qui est congolais et qui n'est pas congolais. Non, non. Ce n'est pas le problème, il y a que président Oyazali en place a lingi a glissé te. Bisoba congolais, bisoba toponiye, bisoba tuto lingi pe recensement. Ça va prendre le temps. Si ce qui est recensement est une année, d'accord. Ce qui est deux ans, d'accord. Ce qui est trois ans, d'accord. Où est le problème? Mais La fois passée, ce qui est boyaka recensement, parce que tout le monde a qui déjà intention, il y a président Oyo, Azalaki, dans le régime passé, Azalaki a intention, il y a Mabé. Azalaki a travaillé dans Batou, il y a un Congolais, Azalaki a travaillé dans le Rwandais, Azalaki a travaillé dans le Burundais. Tilelo, c'est ainsi que Oyo Azali Mouana Mboka. Tozokomone déjà mentalité naye. C'est pourquoi tolingi que to dénicher ba étranger nyonso bazana mboka na biso avant que to kende na bapona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour bien-aimé. Bon, merci beaucoup. Situation il y a élection. Le recensement. Oh oui, bien sûr. Le recensement, en général, c'est un comptage, dénombrement de la population. En Israël, tout comme dans un monde évolué, il faut faire des recensements pour savoir on a affaire à combien de personnes qu'on dirige, on a affaire à combien de personnes sensibles à changer le monde. Il se pose de sérieux problèmes dans le Congo, précisément en RDC.
Pourquoi? Parce que ça fait des années, belle directe, depuis le 1960 jusqu'à ce jour, élection et c'est la maca sans dénombrement. Bah, il y a un nombre à battre, effectif et à la caté. Ata, nombre à battre, c'est Niazo, c'est le Bissouana, des 39 000, des 49 millions, ce sont des nombres fugitifs, des nombres qu'on est en train d'imaginer. Mais la réalité, c'est autre chose. Nous avons besoin de dénombrer les Congolais pour savoir nous sommes à combien. On nous parle de 100 millions, nous pouvons aller jusqu'à 120 millions. Alors, cela va nous donner de la réalité d'abord de la population. La deuxième des choses, quand on va faire le recensement, on doit savoir qui est qui, il fait quoi. Ça, c'est un. Certaines personnes nous trompent qui sont Congolais, mais ils se retrouvent d'une part avec des réalités sur leur nationalité. À savoir, il y a un certain Keïta Diallo. Un Keïta Diallo qui est au Sénégal comme Sénégalais, il fait ses affaires dans les ventes des carburants et produits pétroliers. Ce monsieur-là, Nara Kokoma, na Congo, a commis Congolais, il devient politicien. Il change de nom pour devenir Fayoul. Mais là-bas, de l'autre côté, il est Diallo Keïta. Tango Azo Kokoma, na Congo, a commis un monsieur Fayoul. Et on les prend maintenant pour Congolais. Vous voyez qu'on a affaire à des gens qui ont de 3 ou 4 nationalités. Alors, qui peut posséder aller plus loin si ce n'est qu'un vrai Congolais du père et de la mère congolaise? Il est vrai qu'on puisse faire ce dénombrement. C'est très nécessaire, c'est très capital. C'est pas une procédure de glissement pour les autres pays. C'est un glissement. Non. Dire ça, c'est trop dangereux. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le plus populaire. C'est le Moïse de la République démocratique du Congo. C'est le don de Dieu pour les décès dans ce monde. Si vous ne croyez pas en lui, c'est très facile. Vous voyez le parcours de 52 ans que nous venons de parcourir. Nous avons passé des temps très difficiles. Nous avons passé des tournements et consorts. Mais quand il est venu, il a ajusté d'abord la justice. Comme on a toujours dit que la justice élève une nation, il est en train de faire les efforts. Vous voyez dans l'entrée scolaire, l'entrée scolaire est en train de se faire sans d'argent, c'est-à-dire gratuite. Ça fait quelque chose. Maintenant, il entre maintenant aussi pour ce qui concerne la CENI, l'organisation de recensement, l'identification de la population. C'est pour mettre de l'ordre. Le Congo n'avait pas ni institution forte, ni organisation. Il faut créer des institutions fortes pour donner l'avenir et l'espoir au Congo. Si on ne le fait pas, ce n'est pas glissement, mais c'est pour donner l'ordre à ce que nous pouvons faire. On doit constituer des institutions fortes afin que le Congo se prépare à de meilleures choses. Merci, président. Merci, bien excellent. Merci. Bonjour. Papa. Bonjour, papa. Recensement, l'axi, pour identifier le nombre de Batu. On a identifié le nombre de Batu. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous avez un recensement avant de vous faire? En tout cas, on a fait un recensement, puisque si on identifié le nombre de Batu, on a fait un recensement. Et puis, ça a été encore temps et belé pour que cette élection en 2023 et que l'élection en 2025. Alors moi même je vais faire un recensement des athées. Moi que toi qui la moko, je vais cimenter sur l'élection de Kani, les sociaux de recensement à ciment. Pour tout ça, les permettre. Il y a un nombre qui va congolais. L'explication est claire. Si tu as le recensement, je vais héros qui va permettre de 3 ans et tu pour que tu aies une élection en 2023. Et puis Satan est bélé pour m'amuser bélé au salon. Tu fais une bonne chose. Tu as une élection. Après, normalement, l'action, on a fait tout ça là. Elle va voter déjà président avant qu'il ait apprêté serment. Mais il fallait que les élections aient un recensement pour qu'ils auront moins de temps et bélé. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Parlez de votre recensement et de le recensement et le Moli pour identifier le nombre de Congolais en Boka. Est-ce que c'est important avant que les élections soient identifiées? Oui, avant l'élection, il faut qu'il y ait un nombre de votants, il faut combien de électeurs pour tout le monde. Au moins, il faut faire retard dans la ponamité et peut-être qu'ils auront tant de. Mais voilà, il dépend de ce que nous avons tout à l'heure officiel. Secteur on est de bateau, on est pas soumis au salon, mais ça n'a pas de tout. Ce qui est passé, c'est que le régime passé, parce que le recensement fait l'élection.
Papa Tshisekedi, le père, a insisté à Yougosso en 2005-2006, le recensement à Yougosso, l'élection. Il y a des photos qui viennent de recensement. Bande de Yougosso et Angamba Kabila, Bouyaka. Pour Baïba Tinanini, Oyo, Randa Koussala, Bande de Yougosso. Mais, 2011, pour qu'il y ait une élection, il n'y a plus qu'un demande. Mais il ne peut pas être parce qu'il y a un recensement. Il peut pas être un recensement, il n'y a pas de Il dépasse qu'à tes peuples congolais en général, ils ont le recensement.